À Oyo, le 13 mars 2024, a eu lieu un événement d'une importance capitale, la première édition d'un colloque international dédié à la vie et à l'héritage d'Edith Lucie Bongo Ondimba, dans le cadre des commémorations des 15 ans de sa disparition organisées conjointement par la Fondation Edith Lucie Bongo Ondimba, le magazine Brune et les éditions L'Armaton. La présence de la première dame du Gabon, Zita Olingi Nguema, ainsi que des anciennes premières dames de Côte d'Ivoire, Simone Eyive Bagbo, et du Burkina Faso, Mariam Sankara, a ajouté une touche de grandeur à cette rencontre. Sous le haut patronage de la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, en présence du premier ministre chef du gouvernement, Anatole Coliné Makosso, ce colloque a attiré des figures éminentes venues d'Afrique et d'autres horizons. En étant le premier à s'exprimer, le maire d'Oyo, Gaston Yoka, a commencé son allocution en interrogeant la personne d'Edith Lucie Bongo Ondimba. De la même manière, Patricia Nkunku, présidente de la fondation Edith Lucie Bongo Ondimba, ainsi que Yacine Kuni Bongo Ondimba, fille d'Edith Lucie Bongo Ondimba, ont pris la parole pour évoquer celle dont les œuvres continuent de résonner 15 ans après son décès. En 2003, Madame Edith Lucie Bongo Ondimba contribue à la création de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le sida, l'OPDAS, dont elle sera la première présidente. Sans compter, bien entendu, son implication dans de nombreuses actions caritatives nationales et internationales, qui la place sans conteste parmi les grandes dames africaines de notre histoire moderne. Elle a consacré sa vie avec un amour inconditionnel à des causes nobles, à la promotion de l'humanité et à la défense des engagements qui lui étaient chers, devenus au fil du temps un sacerdoce. Venu de Kinshasa, le professeur Nicole Toumba Bouachia, directrice de cabinet adjointe du président de la RDC chargée des questions politiques et juridiques, tout en étant présidente du comité scientifique du colloque, a situé l'événement dans son contexte. Ce colloque international revêt un caractère universel et scientifique. C'est la raison pour laquelle tous les actes de ce dernier colloque seront publiés dans des supports scientifiquement reconnus dans le monde, et ce, en guise de témoignage vivant. Procédant à l'ouverture du colloque, la première dame Antoinette Sassou Nguesso a déclaré que sa proximité et sa complicité avec Edith Lucie Bongo Ondimba l'empêchaient de prolonger son discours sur cette personne qui lui était toujours très chère, même après son décès. Edith, ce génie tutélaire pour nombreux d'entre nous, ne peut être décrit dans un discours. En effet, aucun discours ne peut traduire ce qu'était vraiment l'essence de la vie et de l'œuvre de Madame Edith Lucie Ondimba. Les thèmes que vous avez choisis retracent bien la vie d'Edith, faite d'audace, d'engagement, de création, d'humilité et de courage. Dans la phase pratique du colloque, 4 panels se sont succédés traitant des sous-thèmes. Engagement et mutations contemporaines, engagement et actions individuelles, engagement et actions collectives, et enfin l'audace. Précédemment, la première dame du Gabon, Zita Olingi Nguema, et la veuve Sankara, l'ancienne première dame du Burkina Faso, Mariam Sankara, ont livré leur témoignage sur Edith Lucie Bongo Ondimba. Je peux dire que Edith a été une sœur pour moi, militante féministe. Elle a été attentive à mon combat. Avec le temps, je découvre qu'elle était une militante dans l'âme. Elle se préoccupait avec beaucoup de sérieux du sort des femmes, des enfants. Quand j'ai engagé mon combat pour que justice soit rendue à mon mari, elle m'a beaucoup soutenue. Elle a trouvé que je défendais une cause juste, où beaucoup de personnes pensaient que c'était une cause perdue d'avance. Ses qualités ont été si nombreuses et remarquables que jusqu'à ce jour, elle reste présente à travers ses œuvres. Son charisme, sa qualité d'écoute, son altruisme, sa compassion envers les femmes et les enfants ont enrichi la vie de ceux qui ont eu le privilège de la connaître.
En raison de son expérience en tant que présidente de transition en Centrafrique, Catherine Samba-Panza a exposé sur le leadership en temps de crise. Selon elle, les femmes demeurent sous-représentées dans les efforts de médiation des conflits en Afrique. Et pourtant, les femmes sont tout autant concernées par les conflits, car c'est par milliers qu'elles en sont les victimes. Or, nous le savons aussi, l'inclusion des femmes, leur participation, ainsi que leur contribution au contenu des pourparlers améliore les chances de parvenir à des solutions durables. Les échanges passionnés et les témoignages poignants sur Edith Lucie Bongo Ondimba, ancienne première dame du Gabon et fille aînée du président de la République, ont tracé le portrait d'un héritage vivant. Le professeur Grégoire Lefoba l'a même élevé au rang d'icône. Icône, pour moi, simplement, c'est quelqu'un qui se distingue des autres par ce qu'il fait. Quelqu'un qui est capable de tout donner et de tout perdre. Lorsqu'on a décrit notre sœur, notre nièce, notre enfant, vous avez vu que elle a rempli ses critères. Mais parlons comme si on ne devrait pas découvrir le monde. Ailleurs, on parle de canonisation. Ça, c'est dans le régime religieux. Dans la vie civile, on parle de mettre quelqu'un au panthéon. Si le bord de la Lima, c'était le bord de la Seine, on ne devrait pas parler d'Edith comme icône simplement. C'est-à-dire qu'il y aurait une institution capable de l'élever au niveau du panthéon. À la suite d'un débat suscité, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a partagé sa position sur l'idée de créer un lieu commémoratif pour honorer les personnalités exceptionnelles. Edith Lucie Bongo vit encore, pas seulement dans notre imaginaire collectif, mais nous parlons d'elle comme si, effectivement, elle n'avait pas disparu. Elle est porteuse d'un patrimoine immatériel. Est-ce que ça ne devait pas pousser le Congo à s'engager dans une approche de création d'un système national de trésors vivants de la nation, au travers duquel on pourra désormais, à défaut d'un panthéon, parce que le panthéon reste un cimetière dans tous les cas, mais à défaut justement du panthéon, qu'on pourrait arriver à reconnaître l'action entreprise par certains d'entre nous qui auraient marqué les esprits, qui auraient marqué l'humanité, qui auraient marqué la nation, de sorte que par ce statut de trésor vivant de la nation, ces personnes puissent continuer à subsister dans notre imaginaire, dans nos vies, et que cela se passe de génération en génération. Au terme de ce colloque international, toutes les interventions ont convergé vers l'objectif de faire de l'héritage immense d'Edith Lucie Bongo Ondimba une source d'inspiration pour les jeunes femmes, les invitant à embrasser les valeurs d'humilité, d'engagement et de grandeur d'âme. En clôturant les travaux, Inès Neferberti Ingani Vumbo Yalo, présidente du comité d'organisation, a évoqué les défis du monde contemporain. Ce colloque qui a porté sur le thème « Femmes, engagement et humanité » a montré que sur l'égalité des genres reste encore un long chemin à parcourir. Alors nous devons plus que jamais nous engager et accélérer le rythme. Elle a également mis en évidence la nécessité de maintenir les efforts dans la lutte pour les droits des femmes. Cela devient primordial si nous voulons contribuer durablement au développement de notre continent. En effet, sans l'engagement actif et effectif des femmes dans les différentes sphères de la vie sociale, économique et culturelle, l'Afrique restera ce continent où ses filles et ses fils ne rêvent que d'une vie meilleure. Les communications issues de ce colloque international feront l'objet d'une publication par les éditions L'Armaton.